Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant, surtout à l'ère du numérique, les crayons, et surtout les crayons quand la mine est cassée. Donc, quand la mine est cassée, on prend un outil, un taille-crayon, et vous voyez la particularité du taille-crayon, c'est qu'en fin de compte, quand on rentre le crayon dans le crayon, après il faut tourner, mais pour tourner, il faut conserver un alignement entre l'axe du cône qui guide le crayon et le crayon lui-même, parce que sans ça, on va aller introduire des efforts inappropriés dans la mine et on risque de la recasser. Donc, premier gros problème dont j'ai oublié de vous parler, c'est on met des copeaux partout. C'est pas très propre. Quand on taille un crayon, en fin de compte, on peut mieux faire. Donc la première grande innovation sur le sujet a consisté à mettre le taille-crayon dans une boîte pour pouvoir collecter les copeaux. Vous voyez, on récupère les copeaux dans la boîte. Mais ça ne résout pas le problème du défaut d'alignement potentiel entre la main droite et la main gauche pour faire un mouvement bien aligné, éviter de forcer sur la mine et de la casser. Donc deuxième innovation, on retrouve le tiroir pour récupérer les copeaux, mais surtout un dispositif de préhension de crayon qui permet de mettre un effort axial sur le crayon. Et derrière, quand on va tourner, vous voyez en fin de compte, l'effort reste axial. Il n'y a pas de contrainte de flexion générée au crayon. Vous allez me dire, c'est pas très pratique, mais en fin de compte, c'est un outil de bureau. Donc si c'est un outil de bureau, c'est livré avec un dispositif de pince permettant de le serrer sur le bord du bureau. Et si je le serre sur le bord, vous n'allez plus voir trop ce qui se passe dessus. Enfin, dernier petit point, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ici une petite molette qui permet de régler la butée et de jouer sur la partie qui va dépasser, de jouer sur la pointe du crayon. Bon, nouvelle innovation. On disait tout à l'heure que nous avions un problème, à savoir que le premier problème, c'était les copeaux. Dans un crayon, il y a une mine et du bois autour. La solution, c'est de conserver la mine et de supprimer le bois, donc d'avoir un porte-mine. Vous voyez, l'avantage du porte-mine, c'est que on peut changer de mine. Donc, qui dit changer de mine, hop, vous voyez, on a un éventail de possibilités. Pour l'anecdote, si vous dessinez avec du 8H, vous allez quand même, sur du papier, vous allez plus faire de la gravure que du dessin. Mais bon, sur du millar, c'est quand même très utile pour faire des tracés, des épures. Et on a des trucs relativement précis. Donc il n'y a plus besoin de tailler le bois, mais il y a encore besoin d'obtenir la pointe. Donc pour obtenir la pointe, le porte-mine est livré avec un dispositif inclus qui permet d'aller tailler le système. Donc si vous oubliez de vider, donc on a toujours le problème de l'évacuation du graphite, si vous oubliez de le faire, vous rangez ça dedans, vous dessinez, puis le coup d'après, quand vous ressortez, vous vous retrouvez avec, vous voyez, des trucs partout. C'est quand même pas génial d'utiliser cette fonctionnalité pour tailler la mine. D'où une autre innovation qui est un superbe appareil. Si vous regardez bien, fabriqué en Suisse. Mais si vous ne savez pas à quoi ça sert, en fin de compte, c'est un bon candidat à une émission de Schmilblick, là. En fin de compte, c'est relativement simple. Vous voyez, je rentre à l'intérieur. Et je peux tailler
Mon crayon. Du moins, en l'occurrence, ma mine. Et ce coup-ci, le graphite est à l'intérieur. Mais si vous voyez un objet comme ça, vous dites à quoi ça sert, vous ouvrez et vous vous mettez du graphite un petit peu partout. Mais vous voyez, c'est quand même relativement rudimentaire comme dispositif. La meule, on va dire, le bouchon, le guide, qui n'est même pas fixé, qui est juste pincé. Quand on vient refermer, l'ensemble tient bien. Et j'ai un crayon bien taillé. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais il m'arrive d'avoir besoin de tracer des cercles. Donc si je veux tracer des cercles, je prends un compas. Sur le compas, il y a un bout de mine. Mais comment je fais pour tailler la mine? Vous doutez bien que je ne vais pas arriver à le rentrer facilement là-dedans. Je peux utiliser le petit taille-mine inclus sur mon porte-mine. Mais l'outil, en fin de compte, souvent utilisé pour tailler, c'est une râpe prévue pour. Et en fin de compte, qui vient couper le cylindre de la mine par un plan incliné, qui permet d'avoir une pointe correcte et facile à régénérer. La difficulté, c'est que cette râpe, c'est pas particulièrement propre. C'est pour ça que dans les bureaux d'études, là, vous les trouviez disposés dans un petit cylindre qui venait effectivement récupérer les saloperies. Donc maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? On a commencé par supprimer le bois en mettant un porte-mine. Mais si on veut vraiment supprimer le taille-crayon, la solution, c'est de ne plus avoir besoin de tailler la mine. D'où l'autre innovation, qui est un vrai porte-mine, mais alors là, sur mine calibrée, qui existe en plusieurs diamètres, mais permet effectivement de dessiner avec une mine qui est, entre guillemets, toujours taillée. Donc je vois les détracteurs arriver en disant « Ouais, je fais comment pour mon compas ?» Ben, je dis « C'est tout simple, on reprend l'outil traditionnel pour coincer un crayon, et nous avons un compas avec une mine qui est toujours taillée. » Bon, j'espère que le sujet vous a passionné autant que ça m'a amusé de le faire ce matin. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée.